Salut tout le monde, c'est PandaRefBox et vous l'aurez compris aujourd'hui, nous nous retrouvons sur G-Star Victory VS ou Versus, c'est comme vous voulez. Non, j'ai rien d'autre à dire. Oui, je. Alors oui, vous avez raison, je viens de niquer 1 minute et demie de vidéo. Et c'est normal, c'est parce que j'aime bien, genre, en profiter. Alors, chose à savoir, c'est que je vous mette d'abord du son, puisqu'il n'y a pas de son actuellement, il n'y a que ma voix, ce qui est dégueulasse. Mais j'avais coupé le son, je ne sais plus trop pourquoi. Donc je vais vous réactiver le son. Alors je vais pas le mettre trop fort parce que sinon mes oreilles vont saigner. On va mettre un petit peu d'effet sonore aussi, hein, on va mettre des dialogues. Voilà, ça m'a l'air bien. Alors on est parti, voilà. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'étais dans le chapitre de Luffy, il me semble, hein. Oui voilà, j'étais dans le chapitre de Luffy. En direction vers la tour Karine, et actuellement j'ai déjà récupéré Seiya. Oui, donc oui, j'ai récupéré Seiya et Ace, voilà. Donc là, nous devons aller vers l'étoile rouge, j'imagine. Ah bah non, une douce brise marine. Si on se rendait à la tour Karine. En même temps, on est là pour ça, hein? Ah, il y a une secousse! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. D'accord, est-ce que tu pourrais... Voilà, rentre dans l'écran, s'il te plaît, merci. D'accord. What the fuck? Ok. Alors oui, G-Star Victory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu regroupant tous les personnages de Kana. C'est ça, oui, tous les personnages de Kana, qui est un éditeur de manga. Enfin, éditeur, il me semble qu'il est éditeur en tout cas. Ou un produit. Enfin, j'allais dire producteur, mais non, du coup, non. Mais enfin, voilà, vous avez compris l'idée. C'est donc un éditeur. Voilà. Bref. Et actuellement, je peux choisir mes persos. Bah, je vais combattre avec Luffy, hein, parce que j'ai pas l'habitude. Pourquoi il y a deux Monsieur Koro en face? C'est pas normal, ça. Oui, je n'ai pas regardé Assassination Classroom, je ne peux pas vous dire. Voilà. Je ne peux pas vous dire si c'est normal qu'il y en ait deux. Ceux qui savent, si vous pouvez me dire, ce sera gentil. Eh ben, c'est parti. Je vous laisse un petit peu les dialogues, quand même. Oui. Oh. Ouais, donc toi, t'as pas changé de phrase, quoi. Réinvente-toi un peu, merde. Donc, c'est parti. Oui, professeur. D'accord. Eh bien, c'est parti, allez! Je ne connais plus les boutons, mais c'est pas grave. Ah, là, il m'apprenait des trucs. C'est con que j'ai tapé. Ok, oui, madame, je sais comment verrouiller une cible, quand même. Un petit peu de respect. Quel burst final, oui, d'accord. Et ça, c'est... Oui, ça, c'est pour les consignes, d'accord. Ah oui, parce que vu du coup, j'ai l'IA, je peux lui expliquer ce qu'il faut faire. Bah, ensemble, hein. Autant y aller. Non, bah non, offensif, offensif. Vas-y, vas-y, offensif. Alors... De ce que je reconnais, le carré est pour taper. L2 c'est pour invoquer Seiya pour qu'il vienne attaquer, voilà. Donc moi je vais m'occuper de Monsieur Koro, hein. Voilà, sa petite vanne, je vais m'occuper de Monsieur Koro. Protection c'est comment déjà? C'est aucun de ces deux boutons. Voilà, donc là je sprint un petit peu. Je cherche comment on se protège, je ne sais plus. Ah c'était R1, j'avais raison. Mais il prend même pas les coups, c'est quoi ça? Ouah, je suis en train de me faire allumer. Je vous préviens, c'est un peu un... Pour ceux qui ont joué au Naruto Ultimate Ninja Storm, l'idée de combat est à peu près pareille. À peu près, évidemment. J'espère juste que le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Ça, je n'ai pas pensé à régler. Mais on verra bien. Oh, alors là, ça part dans tous les sens, hein. Oh, dernière vie. Eh ben je vais faire mon ulti, une fois que l'aura activé Ice, voilà, génial. Alors oui, il y a un burst final qui permet de faire une attaque ultime. Évidemment, je n'aime pas One Piece, donc je ne connais pas l'attaque ultime de Luffy, mais je vais tout de suite la connaître. Ah, mais c'est la même que dans... Oui, parce que je n'aime pas One Piece, mais j'ai joué au Pirate Warrior, du moins au 2, il me semble. Et donc c'est la même attaque. Et on vient de gagner le combat comme ça, d'accord.
Si tu le dis. Bon, bah, c'était un combat rapide. Hein. Et j'ai gagné un niveau d'effort. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Quand même. Un petit peu de respect. S'il vous plaît. Donc là, on a les niveaux qui augmentent. Niveau 3 pour Ace et Luffy, niveau 2 pour Seiya. Et c'est normal, puisque Seiya, je l'ai rencontré plus tard. D'accord. Moi, je pensais qu'il allait rejoindre notre équipe, mais même pas. Dommage. Ça aurait été drôle. Que ouais. L'île à l'aise de la tour Karine, vous y trouvez quelqu'un qui pourra vous aider. D'accord. Oui, non, mais je m'en fous ce que tu dis, Koro. Hein. C'est bon. Ah ouais, non, autant être clair avec ce genre de mec. Vous pouvez revoir le contenu des quêtes dans le mode histoire quête. Vous pouvez aussi annuler les quêtes en les abandonnant. J'aime bien parce que, en gros, l'histoire du jeu, interverti avec le jeu, c'est un peu du Deadpool. Un petit peu, hein, évidemment. C'est la tour Karine, elle est vraiment haute. Mais du coup, c'est à l'est de la tour Karine que je dois aller. Donc ça va pas. Attendez, nord, sud, est. Je crois que l'est c'est là-bas, je suis pas sûr. Je ne sais pas, je ne suis absolument pas doué. Mais il y a deux quêtes, alors autant aller à la plus loin possible, hein, pour autant. Ah, mais attendez, ça me dit quelque chose ça. Bon, là ça me fait penser à la Duel Academy. Oh, Hisoka! Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui. Ah voilà, c'est Jump, c'était pas Kana, pardon! Je suis con. Beaucoup de jeunes fruits, je m'occupe bien de tout. Quoi? Pas compris. D'accord. Ok, c'était juste ça la quête? Grosse quête, les gars, grosse quête! Et j'ai gagné, Hisoka. Et ce n'est pas négligeable. Très bien, bah je vois que. D'accord. Bah du coup on repart. On va aller à l'autre point jaune. Je navigue sur l'océan. Mais j'espère ne pas finir sous l'océan. Sous l'océan. Ah, donc le niveau est nouveau très élevé. Alors ce qui est con c'est que c'est l'épopée d'un noob. Et que je ne suis pas trop mauvais à G-Star non plus. Oh putain, pourquoi Monsieur Koro? Mais nique ta race! Encore lui! Sérieusement! Il est Alzheimer ou il le fait exprès, vous pensez? Du coup, je vais inverser, je vais prendre Seiya en équipe avec moi, voilà. Ah non, attendez, j'ai une meilleure idée. J'en ai marre de Luffy, je n'aime pas Luffy. Donc je vais contrôler Seiya, voilà. Alors je ne touche pas trop au réglage parce que je m'en fous un peu. On va le mettre en amitié, voilà. Et nous n'allons pas prendre Ace, mais Hisoka. Ah oui, quitte à avoir Hisoka, autant l'utiliser, hein. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il y a trois cases à chaque fois, mais nous ne pouvons être que deux par équipe. Et c'est pour la simple et bonne raison que lorsqu'on joue par exemple à deux ou trois, eh bien, il se peut effectivement, que nous nous retrouvons à nous mettre à trois plus le personnage de soutien contre un seul personnage. Chose que je n'ai jamais fait puisque je ne suis pas un salaud non plus. Seiya possède diverses attaques spéciales pour s'adapter à chaque situation, submerger l'adversaire et empêcher-le de contrer. J'aime bien les petits conseils un peu nuls. Mais ça fait deux fois que tu dis ça, connard. Toi aussi t'as Alzheimer? Ah, toi aussi t'as Alzheimer. En fait, ce jeu est Vieillard Simulator, d'accord. Hisoka est autant flippant dans le jeu que dans le dessin animé. Dans l'animé, pardon. Mais Koro est toujours aussi con. Eh bien, c'est parti, les amis. Allez. Où es-tu? Le premier qui me dit trou du cul, je le défonce. Bah, offensive, hein. Tu sais quoi, on peut y aller ensemble. Oui, je ne connais pas encore les touches. Wouah! Seiya, il défonce. Oui, je n'ai pas encore joué avec Seiya depuis que je l'ai, j'ai pas eu l'occasion. Ok, violence. Hisoka, on a besoin de ton aide, allez viens. Ok.
D'accord. Ah oui, petit point faible de ce jeu, il y a des personnes qui ne sont disponibles qu'en soutien. C'était déjà le point faible des premiers Dragon Ball, c'était aussi le point faible de Naruto, de certains Naruto, des Ultimate Ninja Storm notamment. Et dans ce jeu, bah, Hisoka est un personnage uniquement de soutien, ce qui est déprimant là encore. Et bien voilà, il faut le tuer deux fois. Où es-tu? Philippe, je sais où tu te caches! Ou pour reprendre l'expression d'une personne que j'admire, Finn, je sais où tu te caches! Viens là que je te bute, enfoiré! Voilà, petite dédicace à Sturie. Alors avant de faire mon attaque ultime, j'aimerais bien retrouver mon adversaire, ce serait déjà un bon départ. Mais Koro, viens là! Koro, Koro, Koro! Oh, la petite ulti! Qu'est-ce que cette ulti? J'utilise mon cosmos! Et j'ai des ailes. Je suis un ange! Qu'est-ce que tu as à faire, bitch? Encore une attaque ultime? Eh ben go! Ouf! Bah, je vous fais une petite scène de combat badass là. Sans ma voiture. Eh ben voilà, c'est qui les meilleurs? Évidemment, c'est les verts. Eh ben non, ce n'est absolument pas ça. C'était juste pour l'expression. En plus, l'expression c'est. En plus, l'expression c'est faux. C'est qui les plus forts? Évidemment, c'est les verts. Il me semble que c'est ça. Je sais pas, je m'en fous du foot en fait. Ah, eh bien, je pouvais reload de la vidéo du combat, ce que je n'ai absolument pas envie de faire, évidemment. Mais bon. Et là, on a une augmentation des niveaux et nous avons un niveau 3 pour Saya et un niveau 4 pour Luffy. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Oh, victime! Oui, j'ai réussi l'entraînement, génial. Allez. Bonbon de triomphe. Waouh, j'ai un bonbon. Ça va plaire à Luffy, ça dit donc. Et bien voilà, je m'en vais. Alors, où c'est que je dois aller? À Tour Karine directement? Sérieusement? C'était rapide. Hein. C'est-à-dire qu'avant de lancer la vidéo, j'avais fait deux combats. Arrête de tout le temps bouffer, putain! Mais non, mais il trouve ça fun, mais c'est pas drôle, c'est juste nul. Ah, je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est un peu le. Voilà, Toriko, c'est un peu le Sangoku du pauvre. Et c'est un chasseur de saveurs. Ah, bah oui, j'avais oublié. Toriko, Sangoku et Luffy, hein, les gros bouffeurs comme d'hab. Bon, je m'en fous de ce qu'il dit, allez, hop. C'est pas le moment de dormir, arrêtez. La tour Karine. Réunissez les trois fragments d'emblème du héros. Mes souvenirs seraient difficiles. Vous devez voyager à travers le temps et affronter les amateurs qui peuvent aller. À l'aide de vos amis. Non, d'accord, je m'en fous un peu. Avancez. D'accord, bah, tu peux attendre beaucoup de moi, ça changera pas grand-chose. Hein. Oh, c'est trop beau ce qu'il vient de dire, Seiya. Oh! Wow! Naruto Gon et tu es qui à gauche? Je ne sais plus ton nom. D'accord. Naruto toujours aussi. Ah, c'est Yusuke, voilà. Naruto toujours. Comment dire? Toujours aussi imbu de lui-même. Hein. Il n'a toujours pas confiance en lui, on est bien d'accord? Il y a plus que j'ai hâte de participer. Oui, mon Gon toujours en bout en train, toujours prêt à combattre. Ah bah voilà! Toriko, Sangoku et. T'es qui toi? D'accord, tu es venu pour festoyer, mais vas-y, hein. Zebra, voilà, il t'appelle Zebra. Et la dernière équipe, c'est Ichigo. Je n'ai plus ton nom et je n'ai plus ton nom. Voilà, Babybel et Yay. Oui, je sais, je dis Babybel parce que je suis un enfoiré. Comme bande excentrique, d'accord. Oui, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'ils disent, mais bon. Je regarderai sur la vidéo, comme vous. Bon, eh bien, je n'ai qu'une chose à dire, moi. On fera ça au prochain épisode. Allez, salut tout le monde.